Epic Games et Lego s'associent pour créer un métaverse pour enfants. Dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi 7 mars, les deux entreprises ont annoncé avoir conclu un partenariat pour créer un monde virtuel ludique à destination des plus petits. Quoi de plus normal pour le Danois, leader mondial des jeux, et l'Américain qui édite Fortnite? Ce métaverse sera adapté aux familles, donnera aux enfants, je cite, l'accès à des outils qui leur permettront de devenir des créateurs sûrs d'eux et leur offriront des possibilités de jeu étonnantes dans un espace sûr et positif. La sûreté, c'est le cœur du sujet avec trois principes fondateurs. Garantir le droit des enfants à jouer en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité. Protéger la vie privée des enfants en donnant la priorité à leur intérêt supérieur. Donner aux enfants et aux adultes des outils qui leur permettent de contrôler leur expérience numérique. De son côté, Epic Games rappelle sa récente acquisition de Super Awesome, entreprise spécialisée dans les technologies conçues pour offrir un espace numérique sécurisé aux enfants de moins de 16 ans. On ne sait donc pas grand-chose, mais plusieurs éléments semblent clés. D'abord, dans la compétition entre les différents métaverses, la modération sera bien l'un des sujets majeurs. Et à ce petit jeu, la marque Lego est puissante, très puissante. Ensuite, les parents voudront vraiment que leurs enfants accèdent à un métaverse, point d'interrogation? Eh bien, auront-ils le choix? Puisque l'on voit bien que l'usage des jeux vidéo peut être complètement démocratisé. Enfin, est-ce que cela annonce une rupture dans la diffusion du métaverse? Considérant que l'on ne sait rien ou presque de ce que sera ce projet à date, eh bien non. Mais c'est cool d'en parler.